Je suis Enoch Vedoso, Enoch Joyce Vedoso. Je suis fils de Jacques Vedoso, mon père qui est d'ailleurs là. Papa Jacques a des enfants et puis là, Enoch. En grandissant, je me rebelle. Je me rebelle contre mon père, contre ma mère, contre mes frères, contre mes... Je veux vivre ma vie. Entre la Bible et les coupes de champagne, je ne voulais pas du tout avoir à faire ce genre de choses. Et très vite, le pire est arrivé. Le 6 avril 2022, alors que je revenais d'une soirée, j'avais fini de travailler, j'ai fait des photos en anniversaire. Et puis après, ils disent, non, on va continuer l'anniversaire. Voilà l'endroit là où on allume les lumières, là. On était en train d'ailleurs de s'écrire avec ma femme et puis à un moment donné, je dis « Ok, je rentre, c'est bon. » Et pendant que je rentrais en voiture, je ne saurais pas vous dire ce que j'ai vu, je ne saurais pas vous raconter ce qui s'est passé. Je vois du sang partout, j'essaye d'ouvrir la portière, je me rends compte que ma main est un peu compliquée. En rentrant des soirées avec des amis, on passe sur le boulevard, on voit qu'il y a eu un accident. On regarde, on dit « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ici ?» Ah, mais cette fois-là, c'est moi que les passants regardaient. J'avais perdu tout le dos de la main, les os, les muscles, les tendons, tout était en pièces, déchiqueté. La seule chose que je demandais à tous les médecins, c'était « Est-ce que je vais récupérer ma main ?» Et c'est ici que tout a commencé.